Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 14 à 20. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. À nouveau, ce passage de l'appel des apôtres, de l'appel des disciples par Jésus. Aussitôt après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus commence à proclamer l'arrivée du royaume de Dieu, à inviter à la conversion et à l'accueil de l'Évangile. Cette mission, il ne l'accomplira pas seul. Il va se choisir des apôtres, des disciples pour l'accompagner. Il ne fera pas le choix de prendre des personnes en vue pour faire sa publicité, sa promotion. Non, il va appeler des hommes qui connaissent la vie, qui ont un travail et qui sont prêts, le voyons-nous aujourd'hui, à tout abandonner pour le suivre. Cet appel, c'est aussi à nous que Jésus le lance aujourd'hui. Sommes-nous prêts à l'accueillir comme le Sauveur, comme le Fils de Dieu? Sommes-nous prêts à abandonner certaines choses pour le suivre, pour mieux comprendre la parole de Dieu et la vivre concrètement jour après jour? Cet appel des disciples paraît tout simple, mais si nous nous posons la question dans notre cœur, dans notre intelligence, nous voyons que cet appel est néanmoins terriblement exigeant, que ces pécheurs qui ont répondu à l'invitation de Jésus ont montré un courage infini. Alors, n'ayons pas peur de nous mesurer à eux en quelque sorte. Oui, nous avons nos faiblesses, nous avons nos craintes, nos peurs, mais à notre tour, osons répondre à l'invitation de Dieu, osons suivre les pas de ceux qui nous ont précédés depuis 2000 ans, et allons annoncer avec eux, grâce à eux, la parole de Dieu. Amen.